N'allez pas chez les païens. N'allez pas chez les païens. Ah, c'est Jésus qui donne l'interdiction. Mais comment? Est-ce que par n'allez pas chez les païens, devons-nous comprendre aller chez les païens? Non. C'est quel français alors? Ou alors nous parlons du charabien? Ou je ne sais pas, la langue, c'est pas des habitants du Mars, la planète Mars, c'est comme ont imaginé certains de nos savants, les savants de ces siècles. Mais il dit, c'est les Français que nous lisons ici. N'allez pas vers les païens. N'entrez pas chez les Samaritains. Moi, je te dis, il ne faut pas aller chez moi. Toi, tu... Mais je t'interdis d'aller chez moi et par après je me retourne, je viens te retrouver chez moi. Non. Mais si tu auras affaire avec moi. Jésus dit, c'est une interdiction formelle. N'allez pas vers les païens. N'entrez pas dans les villes des Samaritains. Mais allez plutôt, voilà le contraire. Allez plutôt chercher les brebis perdues de la maison d'Israël. Et en allant, il leur recommande, n'est-ce pas, de leur prêcher quoi? La repentance. Maintenant, par rapport à cet ordre, Jésus les demande, n'allez pas chez les païens, donc n'avez pas, c'est une interdiction. Est-ce que les apôtres ont prêché les païens? Non, mais les apôtres n'ont prêché qu'aux Juifs. Ils n'ont jamais prêché aux païens. On peut la vérité? Non, ça se trouve là dans Actes des Apôtres, chapitre 11, verset 19. Actes des Apôtres, chapitre 11, verset 19. Nous lisons ceci. Ceux qui avaient été dispersés à cause de la persécution survenue après la mort d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, à Chypre et à Antioche. Ils n'annonçaient la parole à personne d'autre qu'aux Juifs. Ça, c'est les apôtres. Les apôtres. Lesquels apôtres avaient reconnu que Jésus n'a été envoyé qu'aux enfants d'Israël? Ce sont ceux-là qui ont reçu aussi l'intention de ne pas aller vers les païens. Ils ne prêchaient, ils n'annonçaient la parole. On vous dit, ils n'annonçaient la parole qu'aux Juifs. Négation totale. Et ces apôtres eux-mêmes avaient reconnu que Jésus n'avait été envoyé qu'aux enfants d'Israël. Parce que comme nous l'avons démontré dans les Corinthes, dans la Bible, de par la bouche de Jésus-Christ lui-même et de par la bouche de Dieu qui l'avait envoyé, que Jésus-Christ n'avait été envoyé qu'aux enfants d'Israël. Et les apôtres que Jésus-Christ avait envoyés. Et à qui il avait interdit d'aller vers les païens, reconnaissaient eux-mêmes que Jésus n'avait été envoyé aux enfants d'Israël. C'est pourquoi il est témoigne également dans Jean, plutôt Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 30 à 31. Et c'est Paul qui parle ici, le prince des apôtres, le chef même des apôtres. Il dit ceci, dans Actes 5, 30 à 31, « Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. » Dieu l'a, je commence au verset 30. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Pour donner à Israël. Il ajoute, nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. C'est-à-dire, eux, ils sont témoins. Dieu est témoin. Et le Saint-Esprit, dont certaines personnes prétendent bénéficier de l'assistance ici, est témoin que Dieu a fait de Jésus prince et sauveur pour qui? Israël. Donc quiconque dira que Jésus a été sauveur de l'humanité tout entière, tout en prétendant être assisté par le Saint-Esprit, mais il ne sera inspiré que par le diable. Puisque le véritable Saint-Esprit qui était sur les apôtres était témoin que Jésus lui était prince et sauveur pour la maison d'Israël. Nous continuons dans la série. Toujours dans Actes des Apôtres, mais cette fois-ci au chapitre 13, verset 15 à 24. Et là, c'est Paul, le père du christianisme, qui parle. Paul est le père du christianisme, c'est lui qui prend la parole. Oui. Qu'est-ce qu'il dit? Là, il était en train de s'adresser aux Juifs. Il leur dit ceci. La Bible nous dit, après la lecture de la loi et des prophètes, le chef de la synagogue leur envoyait dire, frère, si vous avez quelques paroles d'exhortation pour le peuple, parlez.
dans la synagogue, on vient demander à Paul s'il avait quelque chose à dire. Il peut faire quoi? Se mettre debout et parler. Et Paul s'était donc debout et commence à parler. Qu'est-ce qu'il a dit? Paul s'éleva, fit un signe de la main et dit: vous, Israélites, et vous qui craignez Dieu, écoutez, le Dieu de ce peuple d'Israël a choisi nos pères et fait grandir ce peuple pendant son séjour au pays d'Égypte. Puis il en fit sortir par son bras puissant. Il le supporta environ 40 ans dans le désert. Et après avoir exterminé cette nation pays de Canaan, il les mit en possession de leur territoire. Ce qui dura environ 450 ans. Après cela, il leur donna des juges jusqu'au prophète Samuel. Puis ils demandèrent un roi. Et Dieu leur donna pendant 40 ans Saoul, fils de Kis, de la tribu de Benjamin. Après l'avoir écarté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ses témoignages: j'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. C'est de sa descendance que Dieu, c'est-à-dire de la descendance de David et selon Paul, que Dieu, selon sa promesse, a fait naître Jésus comme sauveur pour Israël. Comme sauveur pour Israël. Avant sa venue, c'est-à-dire la venue de Jésus, Jean avait prêché les baptêmes de repentance à tout le peuple d'Israël. Jésus sauveur pour Israël. Et Jean lui-même a prêché les baptêmes de repentance pour Israël, à Israël. Jean a prêché, il a exhorté les Israélites à se repentir. Jésus est venu, il les avait exhortés à se repentir. Et les apôtres ont été envoyés par Jésus-Christ, peuple d'Israël, pour les inviter à se repentir. Maintenant, il y a un point que nous devons, n'est-ce pas, soulever ici. C'est-à-dire que c'est un point relatif au premier apôtre de Jésus qui a osé aller prêcher un païen. Il y a quand même ce cas, malgré l'interdiction. Malgré l'interdiction de Jésus, il y a eu un cas où un apôtre était parti et ce n'était pas Jésus qui l'avait envoyé, mais c'était plutôt Dieu lui-même qui l'avait envoyé. Et cela indépendamment de la volonté de Jésus. Et c'est ce que les chrétiens ne comprennent pas. Puis eux-mêmes, les chrétiens, lorsqu'ils parlent de Jésus, ils oublient que même Paul, le père du christianisme, avait dit que les païens sont des gens qui ont été acceptés par la grâce. Dieu n'a jamais fait alliance avec les païens. Ils le savent, les chrétiens le savent, mais que les païens ont été acceptés par la grâce. Et ils illustrent même cette vérité en disant ils sont comme les branches de l'olivier sauvage, coupées et greffées à l'olivier franc, contrairement à leur nature. C'est-à-dire que l'alliance ne leur concernait pas. Ils étaient pour rien dans cette alliance-là. Mais Dieu a fait alliance avec les enfants d'Israël, mais qu'eux ont été acceptés par la grâce. Maintenant, ici, il y a un apôtre. Il y a un passage qu'on entend souvent, le maître de la maison a préparé un repas. Et oui. C'est quoi? Parce que c'est... C'est une parabole, et Jésus l'avait prédit. C'est-à-dire, le point que je venais d'évoquer ici, c'est lui relatif à l'apôtre qui a osé aller prêcher au païen. Un païen. N'est-ce pas, pour la première fois. Et cela a été sur ordre, non pas de Jésus, mais plutôt de Dieu, indépendamment même de la volonté de Jésus. Donc Jésus avait déjà prédit cela. C'est comme j'ai parlé ici de Jérémie, dont Dieu a fait prophète des nations. Jérémie, n'est-ce pas? Jérémie, lui, il a annoncé, il a prédit beaucoup de choses relatives à certaines puissances de l'époque, mais il n'était pourtant pas le prophète de ce genre. Alors Jésus aussi avait fait cette prédiction-là. Il a prédit cela. Dans la parabole des noces, je crois que ça doit se retrouver dans Matthieu chapitre 22. Il a dit qu'il y avait un maître de maison qui a organisé une fête pour son fils, n'est-ce pas? Il a lancé des invitations à ses amis. Mais arrivé l'heure où ces derniers devraient se présenter à la fête pour manger la nourriture qui a été préparée à leur invitation, ils ne l'ont pas fait. Le maître a envoyé même ses serviteurs aller les chercher et leur dire que non, la nourriture était déjà prête, ils pouvaient venir. Mais les amis du maître de la maison n'ont pas répondu à leur invitation. Chacun a donné une raison qui ne la permettait pas, n'est-ce pas, qui faisait de sorte qu'ils ne répondent pas à l'invitation. Maintenant, le maître de la maison s'est dit là, si tel est le cas, il a envoyé ses serviteurs aller chercher même des inconnus dans la rue pour qu'ils viennent manger la nourriture qui n'a pas été préparée à leur intention, mais plutôt à l'intention des amis du maître de la maison. Et le maître de la maison ici se dit, le fils c'était Jésus. La nourriture qui a été préparée, c'est l'évangile qui était, n'est-ce pas, le livre qui avait garanti la seconde alliance que Dieu avait conclue avec les enfants d'Israël. Les amis du maître de la maison, donc ce sont les Israélites. Mais ils ont répondu, ils ont refusé plutôt de répondre à la paix. Ce n'est pas tous les Israélites, hein, parce qu'il y avait au moins 30 000 Juifs qui ont crié à Jésus-Christ. Cela est témoigné également dans la Bible, à partir des évangiles jusqu'aux actes des apôtres. Mais d'une manière générale, on dit...